Fonds international de développement agricole, poursuite du programme après une évaluation positive. En 30 ans, le FIDA, ou Fonds international de développement agricole, a financé 14 projets à Madagascar, dont 5 sont encore actifs, pour un coût total de 515 millions de dollars, avec un volume total de prêts de l'ordre de 34%, soit 175 millions de dollars au total. La contribution de l'État malgache correspond à 18% des coûts, soit 91 millions de dollars, et celle des cofinancements, notamment de l'Union européenne, de la Banque mondiale et du Fonds de l'OPEP pour le développement international à 46%, soit 249 millions de dollars. Le projet Formaprod, avec un financement à hauteur de 84 milliards de dollars, constitue un des grands projets actuellement en cours financés par le FIDA. C'est ce qui ressort de l'atelier de validation de l'évaluation du programme des pays du FIFA à Madagascar et qui s'est tenu ce matin à l'hôtel Carlton d'Annouci. Après une évaluation positive de son programme mené sur la période 2000 à 2012, le FIDA a fait montre de volonté à poursuivre son programme de financement prévu s'étaler sur une période de 4 ans à compter de 2014, a noté Roland Ravatman, ministre de l'Agriculture, en marge de cet atelier.